Bienvenue sur esprit-faya-bâtiment.com. Bonjour, je suis Benjamin, ingénieur structure chez Nord France Construction à Lambersart dans l'agglomération lilloise. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon métier à travers mes missions et mon rôle dans l'équipe, mes projets phares et je terminerai en un mot. Commençons tout de suite avec mes missions et mon rôle dans l'équipe. Je fais partie d'une équipe de 5 personnes au sein de notre bureau d'études internes. Au quotidien, ma principale mission est de dimensionner l'ensemble des ouvrages béton armé, de la phase avant-projet à la phase exécution. Pour être plus précis, le dimensionnement implique de calculer les besoins en ferraillage des voiles, des poteaux, des poutres et dalles. Je réalise aussi des calculs sismiques dans certains projets. Ma seconde mission est d'accompagner les conducteurs travaux dans leur interaction gros œuvre et corps d'état. L'adaptation de nos ferraillages au mode constructif, opératoire ou phasage est parfois nécessaire. C'est d'ailleurs l'une des différences en tant que BET interne par rapport aux sous-traitants externes. Nous avons un rôle de conseil lors de l'exécution. Dans cette même dynamique, nous réalisons également des maquettes structures. C'est un outil qui va permettre à l'équipe travaux d'appréhender la géométrie du bâtiment et les défis qu'ils vont devoir relever. Intéressons-nous maintenant à mes projets. Je vous ai préparé mon top 3, mais si vous avez envie d'en savoir plus, rendez-vous sur le site nordfranceconstruction.faya.com. ou le site de la division fayabâtiment.com. À la troisième place, j'ai choisi le bâtiment D de l'opération Plan Campus à Villeneuve-d'Ascq. Le projet consistait à l'extension du bâtiment de l'école Polytech, un bâtiment de 5 niveaux soumis au sismique. Il a la particularité d'être l'un des premiers projets en PPP, partenariat public-privé, de Nord France Construction dans la région Nord, et aussi mon premier chantier dans l'entreprise. À la deuxième place, Oncolille à Lille. C'est une opération menée en conception, réalisation, exploitation, maintenance. Le futur bâtiment R+5 sera dédié à la recherche sur le cancer et regroupera des laboratoires et des bureaux. Je lui ai donné la deuxième place car il a la particularité d'avoir été conçu structurellement autour d'une ingénierie fluide. C'est-à-dire que la structure a dû s'adapter aux contraintes de nos co-traitants CVC électricité. Enfin, à la première place, emblème à Lille. L'opération consiste à la réalisation d'une tour de 118 logements en R+17 et d'une tour de bureau en R+19. Je lui ai donné la première place car cette opération a la particularité d'associer de nombreux défis structurels. Pontage d'un aqueduc, paroi sur 3 niveaux de sous-sol, mitoyenneté avec la ligne tramway SNCF, sismique et bâtiment R+17. Comme promis, je vais conclure en un mot. Ou plutôt une expression pour illustrer mon expérience au sein de Nord France Construction et de la division Faya Bâtiment. Adaptabilité à chaque projet. Merci de votre attention et peut-être à bientôt. Et sinon toi, tu bosses dans quoi ?